Bobby Best. Voici maintenant un combat royal, deux arènes. C'était le soir ou la... C'était la semaine durant la super franco-fête. Cette fois-ci, on revient en 1975, alors que Maurice Vachon affronte au gros Colisée de Québec Jacques Rougeau senior. Le combat devait se terminer par un no contest. Après ce combat, on verra les frères Leduc contre Paul Vachon et Sailor White. Et on verra également Maurice Vachon avec Gypsy Joe. Jacques Briscoe en 1975, champion de la NWA. Un match qui a été pris à Détroit contre un Japonais du nom de Kobayashi. Et on verra également Joe Leduc contre Gypsy Joe et Pat O'Connor contre Killer Kowalski, 1954, piré à la télévision. Cette fois-ci, nous sommes en 1972. Dale Robert, Jerry Brown contre Yvon Robert et Édouard Carpentier. Dans le temps de la lutte Grand Prix.
On retrouve les frères Vachon contre Carpentier et The Crusher. Nous voici cette fois-ci à Cap Santé, un programme sous la tente. Voici Jules Poisson, c'est le White qu'on a aperçu tout à l'heure. C'est un programme qui avait lieu sous la tente. Voici Maurice Vachon. Maurice allait affronter à ce moment-là El Santos, qui était nul autre que War Eagle. On allait voir Yves Vaillancourt contre... Jules Poisson, voici Carpentier, voici l'arbitre André Roy. Voici Lise Raymond qui affrontait toujours Jane Doll. En 1978, à ce moment-là, on se retrouve à... En juillet 78, voici Yves Vaillancourt. La lutte était complètement à terre à ce moment-là. Il n'y avait à peu près personne qui assistait au programme de lutte.
C'était sous la tente, lors du festival du blé d'Inde ou quelque chose comme ça, à Cap-Santé. Et on avait compté à peine 300 personnes sous la tente. Il n'y avait presque pas de monde. Et j'ai suivi partout et je regrette pas du tout ce que j'ai fait. J'ai voyagé beaucoup pour la lutte au cours de mon existence. Si c'était à refaire, je recommencerais. Nous venons de voir Yves Vaillancourt enseigner une prise de lutte à Lise Raymond. Voici Carpentier qui regagne la grange. Parce que la grange que vous voyez là servait de vestiaire aux lutteurs. C'est là où les lutteurs se changeaient et se douchaient avec des chaudières et d'eau. Et il faut dire que la lutte, on était loin du forum et du gros colisée. Voici Gilles Poisson qui montait affronter Yves Vaillancourt. Et durant leur combat, une anecdote que je me souviens très bien, une grosse bourrasque de vent qui faillit emporter la tente. Voici Big Ben Morgan. Et la fille que vous voyez là est la fille de André Roy, l'arbitre. Une belle blonde. Puis un des El Santos. Voici sous la tente. On a tout pour nous autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a rien qui marche. Et moi, je me souviens d'avoir dit de ne pas se décourager qu'un jour le succès allait se faire connaître. Et c'est vrai. 3 ans plus tard, on devait attirer une affaire de 20 000 personnes au Forum et une affaire de 15 000 au Colisée. Voici Gilles Poisson qui est fini de se laver. Yves Vaillancourt qui s'en va se changer. Voici Jane Doll. Lise Raymond. Gilles Poisson, qui se... Le Sheik, champion des États-Unis à ce moment-là. Et voici Harley Race, champion mondial reconnu par la National Wrestling Alliance. L'arbitre Tiger Tasker, ancien lutteur lui-même. Harley Race qui fut 7 fois champion du monde.